Aujourd'hui, Victor passe beaucoup de temps avec des gens d'Instagram qui le suivent également, au leurs Disney, et essentiellement des filles. Je dis rien. En fait, si je pense, son nouveau surnom, ça va être le Playboy de Disneyland Paris. C'est bien parce que je lance une sacrée rumeur. Hein. Réputation, pardon. Il est heureux le petit, ça il est heureux. Sur cette musique.
Voilà. Ça va tourner là encore. Ça va pas vite. Ça va 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 vite.
special day. Thank you. Donc emplacement VIP pour la parade, j'ai filmé la famille d'honneur. J'aime pas le principe de la famille d'honneur, est-ce qu'ils prennent n'importe qui, ce serait mieux des gens qui ont des passes Infinity ou d'autres types de passes. Et j'ai juste filmé parce que j'aime la voiture. Voilà. Donc voilà, l'emplacement, il se trouve ici. J'aurais bien aimé être sur Central Plaza, mais c'est cool. Ceci n'est pas la queue pour une attraction, mais pour les toilettes. Et oui, à Disneyland, les toilettes sont très attractives apparemment. Surtout chez les femmes. Apparemment, chez les hommes, il ne se passe rien. Le parc était relativement calme jusqu'à 13-14 heures. Là, c'est bondé. Donc, un petit bilan très positif pour ce qui est des Infinity. Les 20% sur les boutiques, 20% sur la restauration, emplacement VIP pour l'instant a été testé que celui pour la parade, c'est très bien. Donc tout à l'heure on fera pour Illumination, juste devant le château, je pense que ça va être excellent. Les photopasses comme vu précédemment, c'est super, c'est offert, donc ça c'est vraiment top. On n'a pas trop profité là, pas au niveau attraction, mais bien sûr ça fonctionne pour les personnages. On fera ça une prochaine fois quand il y aura moins de monde. Pour la petite histoire, le flash mob fait tout à l'heure ce pirate ou princesse. Au moment où le cast member pirate est apparu juste devant moi, j'avais pas fait gaffe, c'était un cast member, et j'allais la dégager. Heureusement, je me suis ravisé, j'ai vu qui c'était, et ça a fait un superbe show. Complètement impromptu. Excellent. Excellent. Alors pour ceux qui disent qu'on ne peut pas manger sainement à Disneyland, juste à l'entrée d'Adventureland, à côté d'Agrabah Café, il y a un stand où vous pouvez trouver un tas de fruits. Et moi j'ai trouvé ça. Alors en tant qu'athlète, j'adore ces barres, elles sont dures à trouver dans le commerce et on les a à Disneyland. Donc c'est sympa, c'est naturel, et puis elles sont bonnes en plus. Alors, quand des youtubeurs rencontrent d'autres youtubeurs, ce matin on a vu Pixie Dust et Alar Pifaz. Bonjour si vous regardez la vidéo, je suis pas sûr. Et là, bah, c'est Victor qui la connaît mieux, également via Instagram, qui va. Bah, voilà, ils vont se présenter eux-mêmes. Salut, je m'appelle Ambre, j'ai une chaîne qui s'appelle WBY Ambre. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Gautini et bah, du coup, j'ai rencontré Victor sur Instagram, j'ai découvert sa chaîne et franchement. J'ai vraiment adoré la chaîne, le concept du compte de Victor aussi et... Arrête d'être comme ça toi. Je t'ai fait des compliments, tu pourrais dire merci au moins. Merci. Vous voyez, elle est très très pro. Ben merci. Pas de rien. Abonnez-vous. Moi c'est Victor. Je parle pas pour moi cette fois, je parle pour madame. J'ai un compte Instagram. qui ouais. C'est même plus son compte Instagram. Si, je connais le nom. Mais non, juste... t'as pas l'air de connaître ton nom. Tu veux que ta vidéo elle fasse 10 minutes, le temps que je dise le nom? Ben, c'est parti. Ok. C'est Victor's Disneyland Secrets. Donc, si, notez, parce que vous allez jamais vous en rappeler. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Voilà. Et, ouais. Ok. Ta chaîne YouTube, tu traites que Disney ou d'autres choses? En fait, non, je fais un peu de tout. C'est-à-dire, je vais faire du lifestyle, un peu... Des sujets qui vont me faire rire, je vais critiquer un peu les personnes, mais gentiment en fait, pour faire rire tout le monde.
mais je vais parler aussi de Disney. Là, je vais plus me baser sur ce que j'aime sur cette chaîne-là. Et sur mon compte Instagram, bah, je parle plus de Disney. Et franchement, ouais, ma chaîne, c'est un peu un gros rassemblement de tout. Ok, redis-nous le nom. WBYAMBRE. Abonnez-vous. Doucement mais sûrement, le soleil est en train de se coucher sur le parc. C'est toujours une atmosphère assez sympa, je trouve. Pas mal de monde, on a mangé au Colonel Atti, pizza. Et tout à l'heure, ben, on va tester donc le carré VIP, toujours grâce aux Infinity, c'est le thème du jour, Infinity, pour le spectacle final Illumination. On a fait pas mal d'attractions aujourd'hui, on vient de se faire Indiana Jones, l'attraction. On a fait Star Tour. Bonne journée, bien remplie. Alors je vais vous montrer Main Street, ça commence à être vraiment beau avec toutes les lumières. Je suis un peu triste parce qu'on a découvert, on pensait que c'était à 22h le spectacle final, la fermeture du parc. Mais en fait c'est 23h, Paddy est complètement, complètement épuisée. Du coup elle part. Donc je reste avec Victor, mais voilà, je suis tout triste. Donc, allez, je vous montre Main Street un petit peu. Bon, il fait pas encore complètement nuit, hein, bien sûr, mais ça a de la gueule. Là,
La vie nocturne du parc, plus beau que jamais. Termine notre journée, notre soirée, on commence notre nuit, on va rentrer chez nous. On a filmé Illumination, ce sera une vidéo spécifique. Le coin pour l'Infinity, c'est vraiment top, on est devant, on se prend même de l'eau, par les jets d'eau, c'est vraiment top. Content de ta journée, ta soirée aussi. On est un peu mort. Lui, tu reviens demain matin? Ok, pas moi. Bon, ben, j'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, le like, commentaire. N'hésitez pas, on est à votre écoute. Si vous voulez voir des choses, quelque chose vous a plu, pas plu, n'hésitez pas à nous le dire. Quoi qu'il arrive, je réponds à chaque commentaire. Abonnez-vous. À bientôt.